Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Verseaux en septembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Ceci reste un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur patchyangel@outlook.fr ou patchyangel.fr pour mon site internet. J'ai également une page Facebook, patchyangel voyance et guidance. Alors, j'ai tiré une petite carte de l'oracle de JM dans un premier temps pour voir les énergies du mois. Alors, j'ai sorti la carte de la mort. Alors, pour moi, la mort, c'est pas méchant du tout. Bien au contraire, c'est le renouveau, c'est la transformation, c'est quelque chose qui se termine. On vous dit aussi que c'est la fin d'une période, d'un cycle. Peut-être aussi pour certains, vous allez clôturer une relation, une situation. Peut-être pour certains, ça peut être aussi la clôture d'un cycle au niveau professionnel. Vous allez peut-être mettre en place un nouveau projet. Mais bon, pour moi, c'est plutôt une renaissance au niveau spirituel. C'est vous, au niveau de votre évolution personnelle. Vous allez vous sentir comme transformé. Peut-être que vous avez aussi beaucoup travaillé sur vous par rapport à vos blessures émotionnelles. Et vous allez voir les résultats. Ça fait un moment quand même que les Verseaux travaillent, comme beaucoup de signes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se décanter. Alors, si je mets un peu de lumière, est-ce que ça peut aider? Ça ne va pas beaucoup aider, mais... C'est un peu gris. Alors, je vais vous présenter l'oracle blanc et noir d'Emma et la magie des cartes. Voilà, donc c'est un oracle qui est sympathique. Donc, si vous souhaitez le commander, vous pouvez contacter Emma sur sa chaîne YouTube, Emma et la magie des cartes. Mais je vous mettrai le lien dans la vidéo. Allez, on va tirer quelques cartes de cet oracle pour voir un petit peu. Alors, on vous parle de détermination suite à une période de tristesse. On voit pour certains, vous êtes déterminé à ne plus rester dans votre tristesse, votre mélancolie. On voit que vous reprenez de l'énergie. Hein, donc, on voit que voilà, c'est vraiment ça, un renouveau pour moi, hein, la fin d'un cycle où il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. On me dit que vous êtes dans un vent de liberté. Pour certains, vous allez prendre de la maturité aussi, ou peut-être que... y a peut-être une personne plus âgée que vous qui va vous aider, ça peut être ça aussi, ou la rencontre de quelqu'un plus âgé aussi peut-être. Bon, l'homme âgé, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Ça peut vouloir dire aussi, pour moi, c'est comme si vous aviez pris de la maturité, travaillé sur quelque chose en particulier qui vous a fait grandir. On vous dit qu'en fait, vous êtes déterminé à ne plus être dans des obstacles, hein, à vraiment les surmonter. Hein. On voit que pour vous... Vous êtes beaucoup dans la liberté, les loisirs. Vous avez envie vraiment de vous amuser, de retrouver votre liberté, d'être dans la joie, d'être aussi dans la sensualité pour certains. Donc peut-être aussi pour certains, des rencontres où vous avez envie vraiment de renouer avec votre sensualité, votre pouvoir de séduction. Mais ça peut être aussi au niveau d'un couple, hein, si vous êtes déjà en couple. Vous avez peut-être envie de remettre un petit peu un regain d'énergie ici. Hein. On me parle aussi d'imprévus. Il y a eu beaucoup d'imprévus. Mais voilà, peut-être que il va y avoir des retrouvailles aussi pour certains, des retrouvailles avec une personne du passé. Pour vous, ça va être vraiment comme quelque chose qui va vous tomber dessus, hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Et on voit qu'il y aura de nouveau quelque chose comme de beaucoup de sensualité avec cette personne. Ou peut-être que ça peut être aussi des retrouvailles avec des amis, où vous allez sortir, vous allez vous amuser aussi, hein. Voilà, on me dit aussi qu'en fait, cette période d'introspection vous a beaucoup aidé à développer ce côté développement personnel et que vous en avez assez de croire que c'est une fatalité. Hein. Pour vous, on voit que vous avez vraiment envie de... alors, soit vous allez encore être en introspection ce mois-ci, vous allez alterner des phases où vous allez être un peu seul, alterner des phases où vous allez être en sortie. Mais pour moi, c'est vraiment, vous allez trouver votre équilibre. On voit que vous avez vraiment envie de sortir, vous ne voulez plus être victime en fait. Hein. On voit vraiment que vous avez vraiment envie de vous retrouver avec vous-même aussi quelque part. Hein. Les retrouvailles, ça peut être aussi les retrouvailles avec soi-même. Voilà, donc c'est plutôt pas mal hein, comme tirage, hein, donc c'est plutôt positif, hein, je suis contente. Allez, on va regarder maintenant l'oracle des miroirs, hein, le fameux oracle des miroirs, hein, que j'aime beaucoup, qui reste vraiment une valeur sûre pour moi. Bon, avec l'oracle de G, enfin tous mes anciens oracles que j'ai commencé,
Pour ceux qui me demandent à chaque fois que, par quel oracle commencer, moi j'ai commencé avec l'oracle de G, mais il n'est pas forcément très, très facile à lire puisqu'il n'y a même pas de mots-clés dessus. L'oracle du miroir, il est bien. L'oracle de lumière aussi. L'oracle lumière, pardon. Bon, après, des oracles comme celui d'Emma, il est bien aussi. Bon, après, c'est à vous de voir. C'est vous qui devez vous laisser inspirer aussi. Hein. Après, c'est la connexion que vous avez avec cet oracle également qui va vous aider. Alors, on vous parle de tranquillité. Vous voyez, on vous dit, vous retrouvez aussi comme un esprit tranquille au niveau de la famille. Bon, la maison, ça peut être votre maison intérieure. Hein. Au sein de votre maison intérieure, on voit que vous retrouvez un certain lâcher-prise. Ou peut-être que voilà, vous vous sentez bien en famille, vous sentez bien avec vos enfants, avec votre conjoint aussi. Ou ça peut être aussi la famille plus élargie. Vous avez besoin peut-être de moments aussi en famille. Hein. Alors, on me parle de bouclier. On voit pour beaucoup, vous êtes encore beaucoup protégé par rapport au passé, par rapport aussi à votre santé. Alors, peut-être que vous avez peut-être des soucis de santé ou pour d'autres, ça peut être aussi la santé. Pour moi, c'est la santé émotionnelle, c'est être à l'écoute de soi-même, c'est se protéger pour ne pas, pas retourner justement dans le passé. On voit que voilà, vous êtes vraiment déterminé à vous aimer, à aimer l'autre aussi. On parle de beaucoup de discussions. On vous dit aussi que dans vos discussions, vous vous protégez beaucoup. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous mettez voilà, des gants de velours pour pas reproduire les mêmes schémas. Il y a eu une séparation pour certains également, hein, mais on vous dit qu'émotionnellement, ça y est, vous êtes passé au-dessus de ça. Le divin, vous y êtes beaucoup, vous êtes protégé, guidé, vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Vraiment, là, on voit que vous avez l'énergie a changé pour vous. On le ressent beaucoup. On me dit, il y a vraiment une belle évolution qui s'est mise en place. Même au niveau de la communication, j'ai l'impression que vous avez compris des choses. Peut-être que parfois, vous étiez peut-être trop incisif ou trop dans la réserve. Là, on vous dit, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie où vous n'avez vraiment plus envie d'être... Dans la victimisation, hein, moi je le ressens comme ça. Mais bon, il y a encore quand même la protection là en plein milieu. Hein, on me dit vous vous protégez quand même. Il y a peut-être aussi quelque chose, on vous dit aussi peut-être de vous protéger aussi par rapport à quelque chose en rapport avec les ancêtres ici. L'hérédité pour moi, ça peut être les ancêtres. Peut-être que vous portez un fardeau du transgénérationnel aussi qui fait que c'est compliqué. Hein. On vous dit peut-être que vous allez aussi savoir des choses par rapport à vos ancêtres ou par rapport à... L'hérédité, pour moi, c'est aussi le passé. Peut-être quelque chose du passé qui va ressurgir, qui va vous permettre de comprendre des choses. On vous dit aussi peut-être de vous connecter à la source aussi avec le miroir magique. C'est le divin, c'est la protection du divin. Mais il y a quelque chose ici, pour moi, il y a comme quelqu'un du passé qui pourrait revenir aussi. Hein. Quand je vois la séparation à l'amour et miroir magique, pour moi, c'est quelqu'un... avec qui vous aviez une belle connexion. Ça peut être une âme sœur ou une flamme jumelle. Et j'ai l'impression que c'est comme si cette personne pourrait revenir en discussion ou elle essaiera de revenir et vous allez devoir prendre des décisions. Ouais. On vous dit, mais il ne faudra pas être dans les accusations, vous voyez, vous allez devoir faire le choix. Soit vous reprenez la relation peut-être avec cette personne, soit vous décidez de ne pas donner suite. Mais ne surtout pas repartir dans les accusations. Hein. C'est un nouveau cycle qui commence, donc nouvelle base. Je vous conseille de lâcher prise. Hein. Ensuite, pour tout ce qui est transgénérationnel, ça peut être aussi un nettoyage à faire par rapport à vos mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Donc ça, je peux vous le faire si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bon, ben c'est tout. Je pense que pour moi, pour certains, il y aura peut-être aussi une séparation au niveau sentimental. Parce que là, on voit que vous avez envie d'évoluer, que peut-être que cette personne vous protégeait beaucoup, mais là, vous n'avez plus envie. Vous avez vraiment plus envie de rester dans le passé. Vous avez vraiment envie de... Vous êtes un carrefour de votre vie et vous en avez assez des accusations. Donc pour certains, il y aura peut-être... vous allez peut-être avoir envie de vous séparer. Bon, c'est pas forcément que sentimental. Hein. Ça peut être aussi au niveau familial ou amical ou même professionnel. Vous allez décider, en tout cas, pour certains, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, puisque vous allez décider de bouger, en fait. Hein. Je vais faire le tarot psychique aussi, j'aime bien ce tarot. Après, je ferai quelques cartes de guidance et je ferai le sentimental à la fin. Je referai un tirage sentimental, là j'ai fait les tirages sentimentaux pour l'été, je ne sais pas si vous les avez vus, vous pouvez aller voir la playlist.
C'est valable jusque septembre. Hein. Donc je referai courant septembre des tirages sentimentaux, vraiment que sentimental pour chaque signe. Alors on vous dit, vous voyez, vous êtes dans une période de fertilité. Hein. Il y a des choses qui sont en train de germer. Donc les graines sont en train de germer, elles vont éclore. Hein. Et c'est, la fertilité, c'est aussi une renaissance quelque part. C'est comme si il y avait un nouveau vous qui allait éclore. Une nouvelle renaissance, quoi, en fait. Alors, on vous dit, suivez votre intuition. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre troisième œil. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Ouais, on vous dit passer à autre chose par rapport à tout ce qui est tromperie et envie. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait. Pour certains, à mon avis, vous avez été trahi dans le passé. Alors, ça peut être sentimental, professionnel, familial. Mais là, on vous dit, clairement, vous passez à autre chose. Vous en avez assez de rester en victime, encore une fois, hein, je le répète. C'est vraiment ce mot-là qui revient à chaque fois dans ma tête. Hein. Tromperie, envie. Donc, vous n'avez plus envie de partir aussi dans l'envie de peut-être de répéter les mêmes schémas. Parce que parfois, on est toujours attiré par les mêmes personnes. Des personnes qui nous trompent ou qui nous ont déjà trompés. Mais ça ne sert à rien. Passez à autre chose. On vous dit, là, vous êtes dans un nouveau cycle. Donc, concentrez-vous sur autre chose. Voilà, vous reprenez votre pouvoir. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous reprenez votre pouvoir, la force du lion, la sagesse du sage. On vous dit, vous êtes vraiment... Vous avez été dans les souvenirs d'amour, là, maintenant, c'est tout. Vous retrouvez la lumière. Il y a quelque chose du passé qui s'est éteint et c'est très bien. Donc, vous reprenez votre autorité, vous voyez, pouvoir, autorité, comme l'empereur, hein, l'empereur qui est là, droit devant, qui sait ce qu'il veut, il a acquis des expériences, il a compris des leçons. Maintenant, il ne va plus se laisser malmener. Hein, il suit son intuition et voilà, il réalise ce qu'il veut, hein, la réalisation des souhaits. Donc, c'est bien ça. Vous allez droit devant. Rien ne peut vous arrêter, hein. C'est vraiment tout s'accélère d'ailleurs, hein. On vous dit voilà, mais on vous dit que pour cela il va falloir ne plus repartir dans les peurs aussi, parce que parfois vous avez peut-être encore des peurs qui reviennent, mais non, vous reprenez le pouvoir. On vous dit quand vous avez des peurs, essayez de lâcher prise, de rentrer justement un peu en introspection, aller voir pourquoi ça vous réveille des peurs. C'est important de voir un petit peu. On va tirer, voilà. On vous dit, ouais, c'est ça, en fait. Hein. Vous êtes parfois encore beaucoup dans les prisonniers de la peur et conflits et défaites. Vous voyez, vous avez peur d'échouer, en fait. Hein. Ou peut-être que parfois, vous dites, mais ça va se répéter encore une fois, hein, parce que vous avez eu beaucoup de répétitions de schémas dernièrement. Mais là, non. Hein, raccrochez-vous toujours à votre lumière intérieure quand vous voyez que ça ne va pas. Analysez, rentrez un peu en introspection s'il faut, prenez un peu de temps pour vous. Et allez analyser pourquoi ça vous fait peur, pourquoi on vous remet encore une personne comme ça sur votre chemin. Il n'y a jamais de fatalité. Pour moi, c'est toujours des leçons de vie. Allez, on va demander au petit Lenormand. Alors là, on a l'horloge. Vous voyez, le temps, c'est aussi, voilà, c'est le temps qui passe, ça prend du temps. Soyez patient aussi, hein. L'horloge, ça peut être plein de choses. Hein. Une nouvelle heure arrive pour vous aussi, voilà, c'est ça que j'ai comme message. Une nouvelle heure arrive, enfin, c'est comme si vous étiez dans une nouvelle ère même. Hein. On dit que vous êtes encore troublé, il y a encore vous êtes encore beaucoup dans votre mental, mais bon, vous êtes un signe d'air en même temps. Les Verseaux, c'est beaucoup, ça cogite. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin, vous, de méditer, de lâcher prise, d'aller dans la nature, de vous retrouver. Casser ce mental, cet ego-là, qui vous dit parfois des bêtises. C'est important. Alors, on vous dit qu'il y a vraiment encore, là, pour certains, c'est un homme qui peut-être... vous voyez, cet homme qui est un peu dénudé, là, moi, ça me fait penser un peu à un homme un peu... pas volage, mais... très sensuel. Alors, soit vous retrouvez votre sensualité, vous avez envie de plaire, parce que si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, hein, ou peut-être qu'il y a un homme qui est comme ça, émotionnellement, vous avez du mal à vous défaire d'une personne qui comme si elle, cette personne, elle vous... comment dire elle était toujours dans vos pensées, c'est quelqu'un que vous avez profondément aimé ou que vous aimez encore. Bon, après, ça peut être vous qui reprenez votre force. Hein, on vous dit que l'énergie de l'homme, c'est reprendre sa force, sa volonté, son pouvoir, hein, un peu comme l'empereur, encore une fois. Pour certains, on vous dit aussi, faites preuve de créativité, travaillez. Alors là, on parle aussi avec la lune du féminin. Vous voyez, peut-être vous allez équilibrer votre féminin et votre masculin en même temps. Vous êtes vraiment dans un équilibre en ce moment. La lune, c'est aussi travailler ses émotions, c'est aller voir vraiment profondément, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'introspection. Mais c'est aussi mettre une part de créativité, c'est à vous d'écrire un peu votre page, hein, votre nouvelle page. Hein.
Alors, on vous parle de l'arbre. Alors, l'arbre, pour moi, c'est la santé. On vous dit, vous êtes encore beaucoup. Alors, soit ça vous préoccupe votre santé, vous êtes peut-être un peu fatigué actuellement. Ça peut être aussi que vous manquez d'ancrage. Hein. On vous dit encore une fois, allez dans la nature, allez vous connecter aux arbres, allez vous connecter avec. Enfin, rééquilibrer vos chakras. Hein. On voit qu'il y a encore ouais, beaucoup de pensées. Là, on me reparle de l'étoile. On me dit que vous êtes connecté, hein. Vous n'êtes peut-être pas assez aligné, c'est ça en fait. Hein. On me parle de l'ancrage ici et de l'alignement avec l'étoile. Pour moi, ça allait s'ancrer aussi, enfin se connecter à la source. Bon, sinon, on me dit aussi qu'il y a la chance qui est là pour vous. Ça a pris du temps, mais là, ça y est, il y a une réalisation de souhait. Pour moi, l'étoile, c'est une réalisation de souhait, de rêve. C'est aussi une connexion avec le divin, c'est vous reconnecter avec vous-même. Bon, c'est vraiment de belles cartes. Ouais. Là, on voit. Il y a aussi peut-être une connexion avec quelqu'un de la famille. Hein. Vous avez peut-être une protection de quelqu'un de là-haut, qui, enfin, une personne décédée, qui est là pour vous aussi. Alors, on me dit qu'il y aura une opportunité, une chance à saisir par rapport à un employeur. Alors, un établissement, ça peut être aussi. Peut-être que vous attendiez des nouvelles d'une administration. Bon, là, on parle de chance en tout cas. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi pour certains, peut-être un travail ou peut-être vous avez passé un entretien. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se décanter. En tout cas, vous allez trancher et faire un choix. Vous allez devoir faire des choix. Et on revoit encore les choix. Hein. Suite à des nouvelles qui arrivent vers vous, vous allez prendre il y a des choses qui vont bouger suite à des nouvelles. Vous allez faire des choix. Alors, pour certains, peut-être que vous allez trancher parce que. Pour certains, peut-être que vous travaillez de chez vous, ou il y a eu du télétravail, et maintenant on voit que ça vous a beaucoup perturbé, et vous allez avoir une opportunité de peut-être de bouger. Alors pour certains, vous allez peut-être faire un travail en rapport avec un déplacement, vous allez bouger, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un entretien. Pour certains, vous allez peut-être aussi travailler à l'étranger. Bon, le bateau, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut être aussi un travail en rapport avec le commercial. Hein, faire peut-être aussi des déplacements en tant que thérapeute, personnel de santé ici avec l'arbre. Bon, en tout cas, vous tranchez. Il y a quelque chose qui est tranché ici. Vous avez besoin, on voit, de contact hein, avec le réseau social. Ici, le jardin, pour moi, c'est. Vous avez vraiment envie de développer une clientèle. Hein. Donc vous allez faire des choix. Peut-être plus vous déplacer aussi pour aller à la rencontre des personnes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, ça vient comme ça. Pour certains, vous avez aussi peut-être beaucoup plus de connexions intuitives, hein, si vous êtes dans tout ce qui est médiumnité, ésotérisme, développement personnel. Mais bon, pour moi, il y a vraiment des choix à faire. Vous allez faire des choix, vous allez évoluer. Il y a des chances pour vous, il y a des opportunités. Il y a aussi une reprise peut-être de clientèle pour certains au niveau du travail, pardon. Pour d'autres, on vous dit aussi au niveau de la santé, allez vous aérer aussi. Vous n'allez peut-être pas assez dans les espaces publics, enfin au niveau, vous voyez, prendre le grand air, aller au contact des gens. Pour certains, vous étiez beaucoup en introspection aussi. La tour, ça peut être ça aussi, c'est être trop renfermé. Ça fait trop longtemps que ça dure. Pour d'autres, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être envie de déménager, vous allez avoir des nouvelles par rapport à justement à peut-être une offre de prêt ou un notaire ou peut-être que vous attendiez un visa, je ne sais pas, hein, il y a quelque chose en rapport avec le voyage ici. Allez, on continue. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais me dépêcher parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, ça sert à rien du tout. Alors, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vous disent? On vous dit retirez-vous dans la nature. Bon, bah, c'est marrant ça. Hein. Et vous êtes dans une guérison énergétique actuellement. Vous voyez, si vous voulez vraiment parfaire cette guérison, il faut vraiment aller vous retirer dans la nature, elle va vous dépolluer, elle va vous aider aussi à être dans le calme, la sérénité. Et puis, vous avez vraiment besoin de, je vous le dis, hein, de guérison. La guérison énergétique, pour moi, c'est un alignement aussi. C'est aller se connecter au niveau tertiel. Et pour certains, vous avez peut-être besoin aussi d'un soin énergétique. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, je vous redis. Alors, je vais vous tirer une carte des messages de la métamorphose de la caverne de Mélodie. Un très bel oracle.
On vous dit, si tu sortais un peu à l'extérieur, bah dis donc, on vous le répète, hein, laisse-toi renouer aux choses simples de la vie, sors de ton isolement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pour certains, vous êtes trop isolés. Vous êtes peut-être trop rentrés en introspection, justement. Et là, maintenant, vous avez du mal à aller à l'extérieur ou aller vous amuser un peu aussi. Parfois, ça fait du bien. Alors, je vais faire le sentimental avec l'oracle de Amour à mort de Assia. Je vous mettrai le lien aussi dans la vidéo. On va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental. Bon, j'en referai courant septembre, hein, pour chaque signe. Enfin, je vais essayer. Hein. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Alors, on vous parle de manipulation. Hein. On vous dit que vous vous sentez peut-être un peu manipulé actuellement, ou c'est peut-être vous qui manipulez encore. Vous sentez parfois encore que voilà, vous avez encore peur, peut-être, des peurs du passé, des répétitions de schémas. Oui, le passé, oui, le passé. Transformation par rapport au passé, encore une fois. On vous dit, suivez votre intuition. On redit les mêmes choses, hein. C'est un truc de fou, ça, quand même. Là, maintenant, vous avez toutes les armes en vous pour éviter, justement, de repartir dans ces schémas. Hein. Voilà, vous avez évolué. On vous dit, vous avez vraiment franchi des caps. Hein. Maintenant, arrêtez d'avoir peur comme ça. Hein. On vous dit, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Hein. La conception, pour moi, c'est ça y est. C'est comme la fertilité, hein, on revient encore là-dessus. Vous avez semé des nouvelles graines, donc maintenant, il n'y a pas de raison que les choses se répètent. Pour certains, c'est peut-être aussi... vous allez peut-être tomber enceinte, hein, il y aura peut-être des grossesses. Hein. Mais pour cela, on vous dit aussi de lâcher prise. Il hein, ne faut pas toujours penser à ça. Plus on y pense, et moins ça vient, en fait. Hein. Là, on parle aussi de contrat d'engagement. Vous êtes prêt à vous engager vers autre chose au niveau sentimental. Pour certains, il y aura peut-être justement une évolution dans une relation. Mais vous êtes encore dans le peut-être hein, au niveau de la transformation. Vous voyez, on vous dit il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est clair. Mais c'est encore du... Voilà, c'est pas encore bien, bien équilibré. On me parle encore de retour de quelqu'un du passé. Vous avez peur de justement de répéter encore les mêmes choses, hein, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, même s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, cette personne revient, elle a évolué, elle revient pour un contrat, pour un engagement. Il y a eu une transformation de sa part également. Tout ce qui s'est passé avec vous dans le passé, c'était parce qu'il n'était pas prêt peut-être, ou elle n'était pas prête. Hein. Et maintenant, c'est un grand oui, voyez. Donc, accueillez cette personne et allez voir un petit peu avant de dire non. Pour moi, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose aussi, peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient parce qu'elle a envie de concevoir quelque chose avec vous aussi. Peut-être même un bébé, hein, pour certains. Voilà. Alors, je vais tirer une petite carte de fin. Ouais, on vous dit que vous étiez perdu. Hein, ouais. Vous êtes quand même encore un peu perdu. Hein. Mais voilà, si vous faites ce que je vous dis, vous analysez, vous essayez d'eux, il n'y a pas de raison. À un moment donné, vous aurez la réponse. Allez, on va regarder l'oracle des amoureux. Alors, le conseil, on vous dit, arrête de concentrer ton énergie pardon, sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, tu rêves et tu imagines. Voilà, donc c'est bien ça, ce que je vous ai dit. Accordez le pardon. C'est pour ça que quand, même si vous avez peur des répétitions de schéma, dites-vous que non. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, hein, quand je dis toujours. Ou ça peut être aussi, pardonnez-vous à vous-même hein, d'avoir fait des erreurs. Mais plus vous allez penser, quand vous allez rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un, que cette personne, elle va encore vous mentir ou, je sais pas, vous trahir, et plus vous allez l'attirer, en fait. Hein. Parce que toutes vos pensées, tout ce que vous pensez, vos actes aussi, et ce que vous aussi vous dites, ont une vibration. Donc, si vous envoyez ces vibrations-là là-haut, ils vous le renvoient. Hein. C'est l'effet un peu boomerang. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, ça va m'aider, et puis ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée, au revoir.